Retour au pays pour le Gorfok. Après 9 mois en haute mer, le bateau école militaire allemand a accosté dans le port de Kiel. Si les membres d'équipage ont été accueillis en héros par leurs proches, il règne toujours un parfum de scandale autour de la frégate. En novembre dernier, une cadette de 25 ans s'est en effet tuée en tombant du haut d'un mât, une chute de 27 mètres dont les circonstances restent obscures. Une enquête a révélé la pression excessive imposée aux aspirants qui se seraient révoltés. La marine dit jouer carte sur table. Nous ne voulons rien camoufler, nous ne voulons rien garder secret, nous voulons être transparents et ouverts. La décision de mettre le bateau école à la retraite remonte à janvier. La marine soupçonne le ministère de la Défense d'utiliser le scandale pour tailler son budget. Construit en 1958, le Gorfok aura parcouru l'équivalent de 35 fois le tour du monde.